Coucou les amis, alors aujourd'hui on fait les gourmands, on va faire des cookies. Les ingrédients, il vous faut 110 g de beurre mou, un œuf, 180 g de chocolat noir, une pincée de sel et un petit peu de levure chimique, 100 g de sucre brun et 100 g de sucre blond. Ah oui, la farine. 225 g de farine. Le petit plus, vous pouvez mettre de la vanille liquide, de la purée crue de pistache, de la purée crue de noisette, mettre le beurre mou dans le saladier, mettre les deux sucres et touiller. Une fois que les sucres et le beurre sont bien mélangés, on rajoute l'œuf. Ensuite, vous mettez la levure et le sel dans la farine. Vous mettez votre mélange œuf-sucre dans la farine. Mélangez. On dispose le chocolat sur la planche à découper et on coupe grossièrement des petits morceaux. Et on incorpore le chocolat. Et là, on relève ses manches et on y va à la main. Geste barrière, on se lave les mains avec un savon Estelle Guérin. En plus, ça sent bon. Alors, on y va. Maintenant, on va faire des boules. Cette dimension-là, c'est pas mal. Vous êtes prêts? On prend la paume de main et on aplatit. Ce sont les cookies nature juste au chocolat. Alors, dans ce premier cookie, je vais mettre du praliné. Je fais un trou. On met le praliné. Et je vais le fermer délicatement. Purée noisette. Préchauffez le four à 170 degrés. On enfourne 10 à 12 minutes, pas plus. Et c'est parti, on vérifie la cuisson. Voici nos beaux cookies. Maintenant, pour les déguster, il va falloir attendre que ça refroidisse. Bon appétit !